Yo les gens, je crois que vous êtes nombreux à attendre la suite de cette aventure sur Moss. On se battait contre une espèce de gros boss quand la terre s'est mise à trembler. Qu'est-ce qui va en sortir? Eh bien on va le voir tout de suite. Oula, un petit peu de soin. Et on va essayer d'envoyer le coup que j'ai chargé. Super. On recharge. Que j'essaye d'enchaîner trop de coups, ça me met dedans sinon. Un petit peu de soin. C'est pas grave, on va attendre la prochaine. Ok. Allez. Recharger. Envoyer. Peut-être, non, on va pas le tenter, ça va me faire perdre du temps. Ok. Ah non, j'ai loupé celui-là. C'est pas grave, on reprend. Je l'ai envoyé, il était un peu limite. Mais il est passé. On recharge. Encore un. J'ai pas l'impression d'y faire grand chose. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode que j'utilise. Il y a peut-être un autre point faible ailleurs.
J'ai beaucoup de mal à comprendre. Ah ben finalement, j'ai bien l'impression qu'il s'est pris quelque chose. Donc le petit feedback de dégâts n'était pas fou. C'est ça qui m'a un peu mis dedans. Allez, check ça, ma jolie. Et souris parce que t'es encore filmé et il y a des gens qui te trouvent mignonne. Et encore un check. Parfait. Will, c'était un immense honneur de combattre aux côtés de ton oncle. Et c'est un honneur encore plus grand de t'avoir comme successeur. Vous connaissez mon oncle ? Vous êtes ? Will croyait rêver. Elle était en présence du champion des lutins. Son oncle lui avait conté son histoire de nombreuses fois. Attendez, ne partez pas ! Cria Quill dans le vide. C'est à ton tour de nous guider maintenant. La voix s'enfonçait dans les feuillages. Il faut te dépêcher. Argus a besoin de toi. Et il disparut. Quill était honorée. Elle avait obtenu la bénédiction de son héros. Et peut-être même le respect du crapaud. Je... Désolée d'avoir voulu te manger, petite. Déclara-t-il. Ok, donc visiblement, le crapaud nous a couvert. Tu devrais te mettre en route. Tout cela ne va pas, pas plaire à Vada. Ça serait peut-être bien... Si, qu'on approche vraiment de la fin. Hop. Will se demandait ce qu'il se passerait. Ah bah oui, on retourne ici Vada. Du coup. Et si elle c'est là qu'on était le champion des lutins. Juste avant de passer au marais. Alors, je pense que ça, maintenant il va falloir l'ouvrir. Et ben voilà. Il a fallu choper au bon moment, mais ça peut le faire. Alors je crois qu'il y a des caisses à casser vers là-bas. J'essaie de me déplacer. Ok. Et on va aller voir dans cette petite maison. On aura peut-être le coffre avec l'objet qu'on cherche. Ouais, c'est ça. Ah, sympa l'ambiance de la taverne. Bien bien sympa. Ok, parfait. Donc on a récupéré l'objet. Vas-y, défoule-toi. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à trouver là-haut? Genre un petit parchemin. Ça serait pas étonnant, hein, vu ce qu'ils ont déjà fait la dernière fois. Avec le parchemin caché derrière l'autel religieux. Peut-être bien derrière la table. Je l'ai senti. Allez, c'est parti. On va casser les dernières petites tables et on y va. Hein. Est-ce qu'on va avoir des ennemis en plus? Ah oui! Sinon c'est pas drôle. Oula! Soigne-toi. Ah
J'ai encore pris des dégâts, je dois me soigner. C'est que j'avais oublié qu'on pouvait casser les caisses avec la petite poignée. Ah mais non, c'est lui, il va me servir en fait. Non, il peut pas tirer. Bon, eh bien tant pis. Allons-y en courant et en fermant les yeux. Aou. Allez, vite. Personne n'a rien vu, c'est bon. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé l'épisode jusqu'ici et je vous dis ciao, à la prochaine.